La bagarre normalement entre ces deux-là, Maris Strandberg et Mike Day, l'Américain et le Letton. Et Damien Godet qui doit prendre le départ de sa vie s'il veut être sur le podium olympique. C'est parti! Damien Godet qui est mieux parti que d'habitude, mais c'est encore Strandberg qui est bien parti avec Mike Day à sa droite. Et la poule, l'Africa. C'est parti avec le retour de Yawed Kouen. Allez, Damien qui a un chat à la vue sur les bosses et qui va faire le tour. Il est tombé. Il y a une terrible chute qui a tout le monde par terre. Et les chances de médaille cette fois se sont envolées. Et Maris Strandberg, le Letton, le champion du monde, qui est parti dans cette course invraisemblable pour connaître le centre. C'est fait. Titre olympique pour Strandberg devant Mike Day, le troisième double américain sur le podium avec Teddy Robinson. Et malheureusement, eh bien, ce que l'on avait pressenti, c'est de se dire qu'une chute couverte vous enlevait tout espoir de médaille. Et bien, c'est arrivé malheureusement à Damien Godet, les bonheurs ne se suivent pas. Excellent départ, il a confirmé, il avait un petit peu de mal en quali. Un tour en dessous en quart de finale de Mike Day, juste à sa droite. Regardez Damien Godet qui faisait l'extérieur. Après avoir pris un bon départ, et c'est Graves qui le met par terre. C'est Graves qui se met par terre avec la peau, la sud-africain. Et malheureusement, Damien Godet ne peut éviter cette chute. Ah non, c'est même le sud-africain, c'est la peau qui se met d'abord par terre. Il glisse avec sa roue avant, il entraîne Graves dans sa chute et Damien Godet qui avait fait l'extérieur du virage pour reprendre de la vitesse, pour couper à l'intérieur, ne peut éviter le vélo de Solafo, le Sud-Africain. La chute est inévitable. Adieu, adieu podium, ces médailles, les Américains qui font médaille d'argent et médaille de bronze chez les garçons, médaille de bronze chez les filles, qui ont confirmé qu'ils étaient bien dominateurs.